Bonjour à Brèche-Lourde, les 12 coups de midi en moins de 2 minutes. Jean-Luc Reichmann à la présentation, Emilien toujours là. Il y avait Chloé, il y avait Mathis et il y avait Patrice. C'est eh bien Chloé qui est passée à l'orange, donc au rouge, qui dit rouge dit duel. Elle a pris le Patrice en duel, qui est une question MDR. À quelle espèce appartient les personnages de Clarence, etc. Donc bien sûr, c'était le lion. Ensuite, Patrice, Emilien et Mathis se sont retrouvés sur le coup par coup. Et puis, c'est Mathis qui est passé à l'orange, donc au rouge, qui dit rouge du duel. Il appelait Patrice en duel, qui est tombé sur une question MDR aussi. Quel fruit y a-t-il dans une apple pie? Quel fruit y a-t-il dans une tarte aux pommes? Bon, donc bien sûr, c'était une pop-pomme. En coup fatal, Emilien a vite éliminé Patrice. En coup de maître, pourquoi de montant de chi? C'était pour sourire. Qui incarne Eddie Vibert, Richard Anconina, quel animal considéré comme sacré? Là, il nous avait pas tiré. C'était un rat. Il connaissait même le nom du rat. D'où vient le fait que nous touchons du bois? Ça, il ne le savait pas. Il s'est fait avoir par la mythologie perse. C'était la mythologie perse. Voilà. De quelle grande course Armel de Cléac? C'était le transat Jacques Vabre. Il a quand même gagné 1000 balles. Bravo à Emilien. Sinon, dans l'étoile mystérieuse, ça y est, il l'a reconnu, Anne Hathaway. Donc, voilà. Donc, elle sera dévoilée demain, et est-ce qu'elle sera trouvée à suivre? Donc, je vous souhaite une bonne journée et je vais vous dire demain, portez-vous bien et surtout, portez-vous 1 minute et 30.